Eh bien le bonjour, le saviez-vous, c'est déjà la 6e semaine que Marie Frozen Crystal a repris les vidées. 6e 7e 7e semaine où Marie Frozen Crystal refait des vidéos sur YouTube. Le temps passe vite, n'est-ce pas? On est déjà en septembre. Le temps passe vite. Et cette semaine, je vais aller à Paris, notre belle capitale. J'étais censée aller à Paris parce que je devais prendre l'avion dans 3 jours pour partir quelque part 2 semaines. Mais je viens d'avoir un mail comme quoi c'était annulé. Si c'est annulé, on se morfondra pour la semaine 7. Voilà. Mais j'ai décidé de quand même monter à Paris parce que c'était prévu. Et je vais aller voir des gens. Et je vais aller voir Paris. Et je vais prendre des photos parisiennes. Ok, qu'est-ce que c'est que des photos parisiennes? On va voir dans cette vidéo. Je propose donc de faire notre valise et de partir de ce pas. Mais avant, je vous laisse patienter 30 secondes parce que cette 7e semaine possède un sponsor. Cette vidéo est sponsorisée par Oli. Si comme moi, vous buvez peut-être un peu trop de soda et que vous cherchez une alternative saine et sans sucre, ne cherchez pas plus loin. Oli propose toute une gamme de boissons énergisantes et d'iced tea qui arrivent chez vous en pot ou en petit sachet transportable. Il vous suffit de mélanger un sachet ou une cuillère de Oli avec 500 ml d'eau, rajouter quelques glaçons si vous voulez, et voilà. Et une fois que vous êtes réveillé, pour vous accompagner tout le long de la journée, ne passez pas à côté de leurs iced tea. Ils sont à boire partout et en bonne compagnie. Perso, au bout d'un an à en boire, mes préférés que je vous conseille, c'est l'iced tea à la pêche nectarine et le piranha. La vie. Mais si vous n'êtes pas sûr, ils ont un pack découverte disponible avec plein de saveurs pour commencer. Utilisez le code MARIE5 pour votre première commande de lit pour avoir 5€ de réduction et le code MARIE pour 10% de réduction. Si vous vouliez tester quelque chose de différent et supporter la chaîne en même temps, et bah essayez Oli. Allez, maintenant, place à la vidéo. J'ai connu plus lumineux, mais attends. Comment on allume ça? Comme ça. Ouh! Si vous regardez mes vidéos et que vous avez moins de 18 ans et que vous trouvez que la vie est pas folle, laissez-moi vous dire que quand vous serez un adulte, laissez-moi vous dire que j'étais dans le même cas. Je pensais vraiment que la vie c'était de la merde et que le futur ce serait pareil. Mais écoutez, j'ai bientôt 30 ans et là, je suis dans une chambre d'hôtel. Et je ramène ma bouffe que j'ai pris à la gare dans la chambre d'hôtel que je vais pouvoir manger sur le lit avec absolument personne qui me dérange, juste moi-même avec moi-même. Et parfois il y a des questions genre pourquoi tu fais ça qui se répondent juste avec des parce que je peux et parce que pourquoi pas. Et il y en a qui vont trouver ça totalement débile, mais il y en a pour qui ça va un peu résonner, ce sentiment de liberté de vas-y à tout moment je fais ce que je veux. Et même si c'est quelque chose aussi débile que ça, je suis pas prêt à voir par contre les journées. Cette semaine, ça va être vraiment du full YOLO comme ça, parce que je suis partie à Paris, parce que initialement, je devais partir quelque part pendant 2 semaines, voire même 3, dans quelques jours, et je devais partir de l'aéroport de Paris. Mais il se trouve que tout ceci a été annulé. Enfin, reporté, j'espère, ou annulé, je sais pas. Mais bref, tout ceci a été reporté. Mais moi, j'avais déjà prévu de venir à Paris, donc je me suis dit, tant pis, je viens à Paris quand même, je vais voir des amis, je vais faire des photos, et ce sera quand même 2 jours fort sympathiques. Parce que c'est bien parfois de sortir de chez soi, de sortir de sa bulle, de sa routine, de juste son appart, sa chambre, son bureau, ses animaux, tout ça, machin. Parfois, c'est bien de juste se retrouver totalement seule dans une chambre d'hôtel. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, moi, je kiffe ce feeling. Bon, je suis juste dans une chambre d'hôtel pour littéralement ce soir. Donc écoutez, nous sommes partis pour quelques jours à Paris avec des gens, des lieux, des photos. Potentiellement, il n'y a pas de plan. Il n'y a aucun plan. Le seul plan, c'est que je ne suis pas chez moi, je suis dans la capitale de la France. Attention, j'y vais pas souvent, donc même moi, je suis impressionnée par Paris à chaque fois que j'y vais. C'est impressionnant comme ville. Je pense que si tu vis ici, tu dois plus du tout être impressionnée au bout d'un moment, mais moi, je suis une touriste à Paris. Mais là, on est bien dans la chambre d'hôtel. Oh, on est bien. C'est fou comme il y a des gens qui vont trouver ça pathétique et des gens qui vont trouver ça trop bien pour eux. Bon, si je vous dis que je devais sortir pour aller prendre des photos de touristes, de la tour Eiffel de nuit, et qu'au dernier moment, j'ai eu peur de me faire kidnapper, vous me jugez? Idéalement, là, faudrait que je ressorte pour faire des photos dans Paris le soir. Le problème, c'est que j'ai peur. C'est pas que j'ai peur que les gens me voient prendre des photos tout seul, c'est que j'ai peur de me faire voler mon appareil photo ou de me faire voler moi-même, kidnapper. Je me sens pas en sécurité toute seule parce que je... Voilà, je me sens en sécurité que dans la nature au milieu de nulle part parce que les animaux, au pire, ils me bouffent. Voilà! Au final, j'ai pas bougé de l'hôtel. Normalement, il y a des choses prévues les prochaines semaines qui seront bien, j'espère. Si
c'est annulé, on se morfondra pour la semaine 7. Mais non, 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 normalement, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Écoutez. Normalement, il n'y a pas de raison qu'elle disait. Normalement, il n'y a pas de raison. Mais il n'y avait pas de raison, mais ça a été annulé quand même. C'est toujours quand je prends pas mon trépied que je me retrouve à vouloir filmer ou prendre des photos avec des angles totalement improbables et que du coup, je suis obligée d'improviser. Parce que j'ai juste pris ceci, et avec ceci, je peux pas faire grand-chose. Donc, j'improvise. Mais je suis tombée amoureuse du rebord de fenêtre de cette chambre d'hôtel. Sans déconner, j'ai passé des heures dessus à observer les gens dans la rue sans que eux me voient, et je sais pas, il y avait une vibe. C'était cool. Au final, le lendemain est vite arrivé. Nous sommes le jour d'après, c'est l'heure de partir à l'aventure et de prendre des photos. Je prends juste ceci. Avec l'appareil photo dedans, je vais rejoindre mes copines. On va aller à une exposition Harry Potter. Let's go ! Bienvenue dans le problème principal de Marie sur YouTube, qui est que dès qu'elle est dehors avec des gens, elle ne filme jamais. Voici donc deux de mes meilleures copines qui se présentent super bien. Du coup, bonjour, je vous présente Cruella et Nunako. Est-ce que vous pouvez vous présenter en trois mots chacune ? Cruella, je joue à WoW et je suis streameuse. Voilà. Ben, ça fait plus que trois mots, mais... Je joue à WoW et je suis streameuse. Et nous voici ensuite dans une exposition Harry Potter, un samedi après-midi, fin août, à Paris. Et genre, on était super surprise qu'il y ait autant de monde. Mais je vous répète donc, un samedi après-midi, fin août, à Paris. Il y a des questions, vaut mieux se les poser avant. Mais on y est quand même allé et c'était quand même une bonne expérience. Est-ce que ça a donné de belles photos ? Non. Mais ensuite, c'est vraiment là où la Marie du présent a envie de taper la Marie du passé. C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs grandes heures où tout ce que j'ai filmé, c'est moi qui trinque. Update, on a passé plus de temps à boire des verres que de temps dans l'exposition. Et c'est tout. Est-ce que ça vous étonne ? Je suis sûre que non. Ça ne m'étonne pas non plus. Encore une fois, le problème, Marie dehors ne filme jamais. Marie dehors avec des gens, mais elle ne filme jamais. Il y a quelque chose d'assez spécial chez la personne chez qui je vais aujourd'hui. Je pense que personne ne s'attend à ce chiffre de choses qui vont arriver sur moi. Il va y en avoir quelques-uns. Je vous présente maintenant Panda et sa meute de 4 chiens. Oui, 4. Écoutez, vu que mes photos parisiennes, elles étaient tout sauf parisiennes, je suis montée plus haut dans la banlieue parisienne pour finalement faire des photos qui n'avaient rien à voir. Mais pourquoi pas ? Vraiment la vibe de ma vie. Hein. Je suis le chemin qui est devant moi. C'est tout, mais c'est bien. Voici donc Toriel, Nevada, Rowan, Maiko et moi-même en mission de prendre une belle photo avant de partir. Une seule photo potable. Ah, le barbecue là, ah, les poivrons au barbecue, c'est le seul truc que je peux trouver. Nevada, tu viens ? Ouh ! Belle fille ça. Oui. Madame. Moi je les aime pas cramés. Moi je les aime sans viande. Update, regardez le mauvais karma quoi ! Pourquoi ? Moi je suis dans le déni. Non, il pleut pas, il y a plein soleil. Moi, je trouve que c'est un très beau dimanche. Je comprends pas pourquoi vous voulez rentrer. Bon après-midi, Marie. Putain, il y a de l'orage. Ah non, ça y est, on l'a perdu. Ah, c'est bon, je rentre. C'est bon. Pourquoi ? Il faisait chaud, il y a 3 secondes. Eh bien, le bonjour. Me revoici chez moi-même pour évaluer nos photos parisiennes, qui sont tout sauf parisiennes. Écoutez, j'ai essayé. Franchement, j'ai essayé. Et honnêtement, il y en a certaines qui avaient du potentiel. Le premier soir, si j'avais eu du courage, je serais allée devant la Tour Eiffel. Après, en soi, j'avais déjà fait des photos de la Tour Eiffel l'année dernière et c'est vrai que c'est un peu comme ma Voie lactée de la semaine dernière. C'est un peu vu et revu, genre elle est belle, hein, mais c'est toutes les photos de la Tour Eiffel sont les mêmes. Est-ce que je dis ça pour me dédouaner ? Oui, oui. À la place, j'ai pris mes photos sur ce rebord de fenêtre qui était parfait. Cependant, ça rentre pas bien du tout.
Non, le souvenir est là, les plans étaient jolis, mais la photo juste... Non, mais c'était sympa. L'exposition Harry Potter, il y avait trop de monde, tellement de monde que c'était impossible de faire une photo stylée de loin parce qu'il y avait beaucoup trop de monde. Mais bon, je l'ai déjà dit, hein, Paris, samedi après-midi, en plein été, vraiment très très intelligente la meuf. Il y en a deux qui sont bien, mais elles sont pas folles les photos. Celle avec le tableau, il manque un truc, et celle avec la porte, genre c'était vraiment la porte de la chambre des secrets, c'était trop stylé. Mais je pouvais pas la prendre de loin parce qu'il y avait trop de monde, et de près, du coup on voit pas ce que c'est. Bon, si vous voyez ce que c'est, ça rend à peu près bien, mais ça aurait pu être mieux. Il y avait plus de potentiel, mais j'ai pas réussi à capturer le potentiel. L'histoire de ma vie. Et ça fait des souvenirs. Elles sont quand même stylées les photos. La seule photo parisienne, c'est la photo que j'ai prise à l'arrache dans le métro avant d'aller au resto. Regardez le métro parisien. Hey. Incroyable. Tu veux faire ma modèle? Fais genre t'attends le métro, t'es devant la porte et t'es en mode j'attends le métro. Mais à l'arrache totale, elle fait parisienne. Elle attend le métro à Paris, c'est parisien. Est-ce que c'est unique? Non. Est-ce qu'il y a des souvenirs avec? Oui. Est-ce que le jeu des couleurs est sympa? La photo, elle a une vibe. Est-ce qu'elle est incroyable? Non. Il y a une vibe. Est-ce que la photo la plus stylée est une photo de chien? Oui. Est-ce que ça a un quelconque rapport avec Paris? Pas du tout. Absolument pas. Mais j'ai deux photos de chiens qui sont stylées. Il y a celle-ci et il y a celle-ci. Ils sont parfaits ces chiens. En sachant que j'ai commencé le challenge la semaine 1 avec des photos de chiens, je trouve ça stylé de voir que 2 mois après, presque, je trouve cette photo de chien est plus belle. Même s'il n'y a pas la lavande autour et tout machin, justement il n'y a rien, la photo est plus stylée. Vous voyez ce que je veux dire? Ça se trouve pas du tout. Mais je trouve qu'elle a un truc. Ça n'a rien à voir avec Paris, encore une fois, genre vraiment, c'est l'aventure qui compte. Écoutez, moi je vois ça comme ça. Dans ma tête, avant de partir, je pensais à la Tour Eiffel, je pensais à l'Arc de Triomphe. Est-ce que j'ai eu tout ça? Pas du tout. Mais écoutez, on y retournera. C'est ça qui compte, finalement. Mes 2 prochaines semaines ont été annulées. C'est pas grave. C'est l'aventure. Je vais prévoir d'autres choses. C'est ça qui compte. Notre semaine 7 s'achève donc ici. Merci encore à Oli d'avoir sponsorisé cette vidéo. Première vidéo des 52 semaines qui est sponsorisée. Et en plus par une marque trop bien. Vive les piranhas. Pas dans la vraie vie, mais... Moi du coup, je vais vous retrouver pour la semaine 8 pour va savoir quoi. L'aventure! En attendant, merci beaucoup d'avoir regardé cette semaine et voilà.